Si je devais donner un conseil à la petite Grise qui est sur la photo, c'est de croire en ses rêves, de travailler pour ça et voilà, surtout se faire plaisir sur le terrain parce que c'est important. Et je pense que c'est aussi un des points majeurs qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout le plaisir. Parce que sans plaisir, c'est compliqué de toujours se lever et aller atteindre ses objectifs, chercher des objectifs. Et voilà, ne pas oublier que c'est un jeu. Quand j'étais petite, je me souviens d'un lit superposé avec mon grand frère, je crois. C'était assez simple. Voilà, on a grandi avec mon oncle aussi, le petit frère de ma mère. Et voilà, c'est des souvenirs plutôt heureux. Ma famille m'a beaucoup aidée sur ça parce que je sais qu'ils ont toujours été derrière moi. Ma mère, elle venait nous voir, que ce soit mes frères ou moi, elle venait toujours nous voir au stade, elle nous a toujours encouragés à faire notre passion, en fait. Et elle venait sur tous les terrains, elle était toujours là, que ce soit au match ou au tournoi, etc. Et voilà, elle nous a toujours poussés à faire ce qu'on voulait, tant qu'à l'école, ça suivait. C'était la seule condition qu'elle mettait, sinon honnêtement, elle nous a toujours laissé libre de nos choix. Vraiment tous passionnés de foot, on parle tout le temps de foot, on mange foot, on dort foot. Je sais pas, des fois peut-être on fatigue ma mère, mais non, honnêtement, même elle est prise maintenant dedans et voilà, elle fait même des débriefs de foot, enfin des matchs de foot, donc non, franchement, c'est bien, c'est top. C'est mon grand frère qui m'a introduit à faire du foot, c'est lui qui m'a fait frapper dans mes premiers ballons. C'est lui qui a fait en sorte que je m'intègre quand il y avait sa bande de potes, dans le quartier aussi et à l'école. Donc oui, voilà, j'ai une relation assez particulière avec mon grand frère et on est assez proches, même avec mon petit frère. En fait, on est une fratrie de footeux, donc voilà, on s'entend très bien. Bah, d'ailleurs, j'ai une anecdote. La première fois où j'ai joué avec mon grand frère, enfin une des premières fois, je pense, ça m'a marqué parce que en fait on était dans un jardin public et le jardin du quartier en fait et il me dit d'aller au goal donc j'y vais les grands classiques hein. J'y vais et en fait il frappe et il me tire dans la tête donc moi je tombe, je pleure et il revient me relever et il me dit ah mais regarde t'as arrêté la frappe et tout, donc moi je me relève et toute contente alors que j'étais en larmes juste avant. Et voilà, c'est un des premiers souvenirs que j'ai et ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, il y a tout qui me plaisait dans le fait de jouer avec le garçon. Déjà, j'étais un peu la chouchou. Que ce soit avec la coach ou avec les garçons, ils me protégeaient toujours. On avait un super état d'esprit, super esprit d'équipe. Et honnêtement, j'ai toujours aimé parce que le niveau il était élevé aussi et que ça me mettait aussi dans le dur. Et ça m'a fait progresser aussi. Moi, je sais que depuis toute petite, je voulais faire du football mon métier. Depuis petite, pour moi, je veux être en équipe de France. Et c'est assez drôle parce que je savais pas qu'il y avait une équipe de foot féminine, une équipe de France féminine, pardon. Et pour moi, si j'allais en équipe de France, c'était avec les garçons. Donc j'ai un peu grandi avec cette idée-là et après c'est au fur et à mesure j'ai compris que voilà, il y avait une équipe de France féminine, on en a entendu un peu plus parler mais c'était beaucoup plus tard, donc moi j'ai grandi avec l'idée que j'allais jouer en équipe de France masculine et voilà, mais non aujourd'hui c'est bien que en fait ça ait évolué et qu'aujourd'hui les petites filles puissent s'identifier à nous, à des joueuses et qu'elles puissent avoir des modèles et pour suivre leurs rêves et un jour aspirer à jouer en équipe de France. Je me souviens que même à l'école, quand les profs mettaient quel métier voulez-vous faire plus tard, je mettais footballeuse. Donc c'était vraiment un objectif pour moi et c'était aussi un rêve. Et aujourd'hui, c'est devenu réalité, donc j'en profite. Je me souviens d'une prof en particulier, c'était en troisième, il me semble.
Et elle nous avait dit, si vous deviez faire de votre métier le football, vous seriez déjà plus là. Et en fait, bah, cette phrase, elle m'a marquée et c'est resté dans un coin de ma tête. Et je me disais, bah, je vais tout faire pour réussir. Et je savais déjà que bah, je voulais, c'est ce que je voulais faire, donc j'ai jamais lâché. Et voilà, aujourd'hui, bah, j'ai la chance d'en faire mon métier. Bah, c'est vrai que le fait de m'être blessée cette, bah, l'année dernière, ça a été une période compliquée et voilà, je me suis jamais dit que ça allait finir comme ça et j'ai toujours, je me suis toujours dit et fixé comme objectif de revenir et de tout faire pour revenir à mon meilleur niveau et ouais, toujours croire en mes rêves parce que voilà, j'y croyais et que je ne me voyais pas arrêter le foot comme ça. Et même si ça a été compliqué, je suis revenue. Et voilà, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. C'est vraiment le maître mot. Et voilà, j'en profite parce que c'est une chance. C'est une chance et je m'en rends compte encore plus maintenant que j'ai la chance de faire bah, de ma passion mon métier. Le fait de remporter un trophée avec l'équipe de France, c'est pas un rêve, c'est un objectif maintenant. Ça fait trop longtemps que voilà, on court après les trophées où on pleure, on souffre, on va dire, après les compétitions. Et voilà, on aimerait ben, un jour pleurer, mais pleurer de joie et remporter un trophée et le ramener ici en France.